Aujourd'hui, c'est le premier jour des soldes et je voulais partager avec vous quelques conseils en mode masculine parce que votre apparence fait partie de votre communication non verbale. Évidemment, ce qui suit est valable également hors solde, c'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner, je suis coach certifié, formé à la PNL et expert en relations hommes-femmes. J'ai fondé l'école Morning Kiss pour accompagner ceux qui le souhaitent vers leur réussite sentimentale. Et ça faisait un moment que je voulais parler d'habillement et de mode masculine, et évidemment, le premier jour des soldes, c'est l'occasion parfaite pour le faire. Pourquoi c'est important ? Même si la séduction d'un homme repose d'abord sur son état d'esprit et son comportement, et donc votre apparence visuelle n'a pas à vous freiner. D'ailleurs, ça me fait penser à une citation de Georges Wolinski qui a dit qu'un des derniers privilèges des hommes, c'est de pouvoir séduire sans être beau. Est-ce que c'est un prétexte pour se laisser aller ? Ben non, parce que vous pouvez facilement gagner des points en ayant par exemple des vêtements à votre taille. C'est pas plus compliqué d'avoir un vêtement à votre taille que d'avoir un vêtement qui est trop grand. Ensuite, ça va dépendre du genre de femme que vous visez. Par exemple, si vous promener dans les beaux quartiers de Paris, si ce genre de femme vous plaît et que vous voulez séduire ce genre de femme, vous devez avoir une apparence qui va être cohérente avec ce genre de femme. Ensuite, votre habillement est l'opportunité pour vous de faire une bonne première impression. Et ça, ça compte parce que vous allez avoir un temps d'écoute plus grand quand vous abordez une femme dans la rue ou dans une soirée, si vous êtes bien habillé. Enfin, qu'est-ce que ça dit de vous ? Ce que vous communiquez par votre habillement va dire des choses à la femme à qui vous parlez. Ça va montrer si vous avez votre vie plutôt bien rangée ou si au contraire vous êtes à la dérive. C'est un peu par analogie comme votre voiture. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous devez avoir une belle voiture ou une voiture chère ou une voiture de sport. Je suis en train de dire que ce que vous dites si vous avez une voiture qui est sale, qui ressemble à une poubelle à l'intérieur et qui est pleine de cabossage, et ben ça va tendre à dire que vous avez une vie qui est plutôt à la dérive, et donc la femme en question peut se demander quels autres aspects de votre vie est à la dérive. Ben là, avec les vêtements, c'est pareil. Mais la vraie raison, c'est que c'est important pour vous. C'est comme le sport, votre voiture, votre appartement, votre choix de vacances, vos revenus, tout ça, ce sont des choses que vous faites d'abord pour vous, pour votre confort à vous. Ce dont on parle dans cette vidéo, ce sont des choses que vous pouvez travailler, et ça c'est la bonne nouvelle, parce qu'elles sont indépendantes de votre apparence génétique. Quelle que soit votre apparence génétique, vous allez pouvoir travailler votre apparence, travailler votre look, pour présenter une apparence qui va être attirante. Les principes à retenir. Le premier principe à retenir, c'est d'avoir des vêtements qui soient à votre taille, à la bonne taille, parce que la taille de votre vêtement, c'est un signal honnête et immédiat que vous envoyez aux femmes avec qui vous parlez. Par exemple, si vous avez un pull qui est trop grand, c'est du XL alors qu'il devrait être du M, bah, vous envoyez le signal honnête que vous êtes peut-être un peu paumé, que vous ne maîtrisez pas les codes de société. La femme à qui vous allez parler peut se demander, par exemple, si vous allez être également paumé au lit. C'est important. Ensuite, si vous avez une apparence visuelle qui est mal soignée, ça peut vouloir dire que vous vous fichez de votre apparence, et ça peut être que vous êtes soit quelqu'un de profond dans vos valeurs, ou alors peut-être que vous manquez d'estime de vous. C'est ça que ça peut communiquer. Socialement également, ça dit des choses sur vous. Parce que si vous avez un pull qui est de taille trop grande, bah, ça dit que vous avez probablement peu de femmes dans votre vie, peu d'hommes cool dans votre vie, parce que si c'était le cas, et ben ces femmes et ces hommes-là vous auraient fait des remarques, ne vous auraient pas laissé simplement avoir un pull de taille trop grande. Ensuite, ça dit de vous que vos lieux de sortie sont probablement pas des lieux de sortie à la mode. Petit conseil, si vous n'êtes pas sûr de la taille de votre vêtement, c'est probablement que c'est une voire deux tailles plus petites que vous ne le pensez. La meilleure règle dans ces cas-là, c'est demander au vendeur ou à la vendeuse, parce que eux connaissent leur métier, et de toute façon, certes, ils veulent vous vendre un vêtement, mais ils n'ont pas plus intérêt à vous vendre du XL que du M. Le deuxième principe à retenir, c'est de ne pas réinventer la roue.
Il suffit d'ouvrir les yeux, soit dans la rue, soit à la télévision, soit dans des magazines. Regardez comment sont habillés les hommes qui sortent avec des jolies femmes. Vous allez typiquement repérer plusieurs looks et ensuite vous allez en choisir un. Je veux dire qu'il y a des looks qui sont plutôt business, il y a des looks qui sont plutôt preppy, il y a des looks qui sont plutôt hip-hop ou encore bad boy. À vous de choisir le look qui vous convient, qui vous plaît, parmi cette palette de looks possibles que vous allez repérer autour de vous. Exemple. Alors en guise d'exemple, je vais vous commenter une tenue intégrale de la tête aux pieds que je me suis acheté la semaine dernière. Alors c'était pas pendant les soldes à proprement parler, c'était pendant les ventes privées qui précèdent les soldes. Et c'est une tenue que j'ai achetée intégralement dans la même boutique. Alors c'est pas une boutique d'une marque donnée, c'est une boutique multimarque qui stocke plusieurs marques. Et donc je vais vous montrer ça, à commencer par le pull. Bah, le pull c'est un classique, c'est très facile à porter, un col rond. Remarquez que la taille est près du corps, vous voyez ça suit les contours de mon corps, mais sans être non plus serré, c'est-à-dire que je peux bouger librement, je n'ai pas l'air d'être gai non plus. Il y a des coudières qui sont plus foncées, ça c'est un effet qui est relativement à la mode en ce moment. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec ce jean, c'est qu'il est foncé, donc facile à porter avec soit des vêtements décontractés, ou alors au contraire associé avec des vêtements plus chics comme une veste, comme on va le voir dans un instant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les retours, les petits revers bleu marine en bas, c'est la petite touche de détail qui change tout. La coupe, elle est près du corps, sans encore une fois m'encombrer avec une étroitesse excessive, donc il n'a pas l'air gai, mais il montre mes formes, voilà. Les chaussures, ce sont des sortes de baskets urbaines. Alors, ce sont clairement pas des chaussures avec lesquelles on fait du sport. Encore une fois, on est dans des couleurs foncées. C'est plus subtil que des baskets claires. La semelle en particulier, là où on s'attendrait habituellement à une semelle blanche, là on a une semelle qui est grise. Ensuite, ce qu'on peut rajouter par-dessus, c'est un chèche. Un chèche, c'est une sorte d'écharpe légère. Ce qu'elle a d'intéressant de celle-ci, c'est qu'elle est réversible. Donc vous voyez, il y a un côté qui est comme ça, avec des stries, et un autre côté qui est quadrillé. Et en fait, le but, c'est pas de choisir l'un ou l'autre. Le but, c'est de l'entortiller façon un peu bordélique, pour que, au gré de comment on va la mettre, et ben, on perçoive les deux effets. Ça fait un effet intéressant. Ensuite, ce qu'on peut rajouter par-dessus, c'est une veste. Alors, cette veste, elle est à dominante bleu marine. Donc là, on rappelle les petits revers que je vous ai montrés sur le pantalon. Alors, notez la coupe. Vous voyez la coupe sur les épaules, on tombe juste sur mes épaules. Ce que vous voyez d'autre, c'est que sur ma taille, eh ben, la veste suit ma taille, c'est-à-dire qu'elle rentre au niveau de ma taille et après elle ressort un petit peu sur mes hanches. Ça s'appelle une coupe à l'italienne et c'est ce qui se fait actuellement. À nouveau, des coudières, la bleu marine, c'est intéressant. La qualité, oui, la qualité en général des vêtements, elle est bonne, c'est agréable au toucher. Le pull, alors c'est pas du cachemire, mais on pourrait y croire en le touchant, donc il est pas rêche, il est agréable à caresser. Enfin, pour parfaire cette tenue, là, il y a un manteau facile à porter. Alors, choisis suffisamment large pour mettre la veste en dessous, ou je pourrais mettre un pull grosse maille en dessous. Sinon, à nouveau, vous voyez comme ça tombe juste sur mes épaules et vous voyez qu'il rentre au niveau de la taille et ressort très légèrement ensuite plus bas. C'est une coupe dite donc à l'italienne. À nouveau, vous avez un petit détail. Vous avez la marque ici qui est inscrite sur un petit morceau de ruban. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas évidemment de montrer aux gens la marque de votre vêtement. Ce qui est intéressant, c'est ce petit ruban. Il y a aussi un petit pins. Je ne sais pas si vous le voyez. L'intérêt étant de simplement montrer une touche de détail et non pas de montrer la marque de vos vêtements. Alors, justement en termes de marque, ce qui compte, c'est l'aspect, la coupe, la qualité du tissu,
La marque en elle-même n'est pas importante, n'est pas intéressante. Je ne connais même pas les marques de ces vêtements. Je vais les mettre dans la description parce que sans doute que vous allez me poser la question dans les commentaires. Mais c'est intéressant de noter que je ne connais pas les marques de ces vêtements. Pas à un instant dans cette boutique Multimar que j'ai demandé la marque parce que c'est pas un critère. J'ai regardé la coupe, la matière, le look, le tissu, tout sauf la marque. Parce que le nom qui est inscrit sur l'étiquette de votre vêtement n'apporte rien en soi. Ce qui apporte, c'est que souvent, quand vous avez des vêtements de marque, ça a tendance, mais pas toujours, à être qualitatif, ça a tendance à être à la dernière mode, mais quand vous savez vous habiller correctement, et dans ce cas-là, vous pouvez aller dans des boutiques style Zara et H&M, et de toute façon, ce genre de boutique Zara et H&M, elles imitent justement les modes du moment, les tendances du moment. Donc vous n'allez pas forcément plus vous tromper dans ces boutiques-là à partir du moment où vous écoutez les vendeurs et les vendeuses en termes de taille. Parce que c'est ça le plus important. Mise en application. Alors en pratique, les choses à retenir sont ne réinventez pas la roue. Regardez autour de vous, décidez quel type de vêtement vous plaît. Ce ne sera peut-être pas le même type de vêtement que moi. En tout cas, décidez de votre type et ensuite rendez-vous dans des boutiques. Rendez-vous dans des boutiques de préférence multimarques, comme ça vous allez avoir une apparence qui sera peut-être pas trop instantanée et qui aura l'air d'être inspirée de plusieurs sources différentes qui va donc refléter votre propre créativité. Et enfin, écoutez les vendeurs et les vendeuses, en particulier concernant votre taille. Conclusion. En vous habillant bien, vous pouvez commencer à avoir un style de vie qui va être plutôt maîtrisé, plutôt délibéré et donc pas à la dérive. Parce que ça va envoyer un signal honnête aux femmes avec qui vous échangez qu'elles vont pouvoir compter sur vous parce que vous avez une vie qui est bien maîtrisée. De plus, vous allez marquer facilement des points, vous allez faire bonne première impression et vous n'avez qu'une opportunité pour faire bonne impression. Et enfin, vous allez pouvoir probablement attirer certaines femmes qui étaient précédemment hors d'atteinte. Et tout ce que je dis là dans cette vidéo, c'est valable aussi pour votre tonus corporel, faire du sport, votre coupe de cheveux, vos lunettes, si vous vous en portez tout ça, ce sont des éléments de communication non verbale et qui envoient un signal honnête sur ce qui se trame derrière en termes de style de vie, de croyances et d'état d'esprit. C'est pour ça que c'est important, même si ça n'est pas déterminant. Alors la discussion continue après la vidéo dans la zone de commentaires en dessous. Partagez vos avis sur l'habillement, les soldes, l'importance du look, vos conseils à vous, vos tuyaux à vous pour vous habiller bien et éventuellement vos questions. J'y réponds. Je vous dis à très bientôt.